Et depuis combien de temps vous faites du skate? 3 ans et 4 ans déjà. Périne, ça fait combien de temps que tu fais du skate? Moi, ça fait depuis cette année. Hein. Expliquez-moi le temps qu'il vous a fallu pour rentrer votre wheelie. C'est la question qui fâche. Ouais. Un an. Ouais, un an, mais un bon wheelie. Un bon wheelie. Avec un bon pop. Sinon, je vais rentrer, mais c'est vraiment... Bon, et toi, raconte-nous le wheelie qui commence à rentrer. Qu'est-ce que t'en retiens? Bah, c'est difficile, là, j'essaye de l'améliorer. Je sais pas du tout, là, ça fait combien de temps. Mais j'ai envie d'y arriver. Vous avez déjà des références de skateurs qui vous inspirent à votre âge? Moi, plus des petits influenceurs, genre Shipshield, Léana Ripper et tout. Donc, tu regardes un peu du skate? Pas vraiment. Comptez en faire votre métier ou que votre métier il tourne autour de ça? Je veux pas faire ça comme métier, mais je suis content de faire ce que je veux. Enfin, ne pas arrêter. Genre en faire à côté, mais de base je voulais trop faire des designs de board. Ok. Toi, Perrine, ça te donne des idées un peu ou quoi? Non, pas trop. Enfin, j'ai plutôt en faire un loisir que mon métier, quoi. Montre-moi ton setup et parle-moi de ton setup. Ok, il est là-bas. Ah ben bravo. Eh ben oui, elle chour la planche du prof parce qu'elle est vachement mieux. Alors là, on va passer un grand moment. On va apprendre le grip tape art avec Lucille. Oh là là. Quoi? Je change toutes les semaines. Mais oui, non, mais cette jeune fille a des problèmes avec son grip. Vous pouvez le voir. Ça fait 15 jours et après... Elle vient me voir, ou c'est sa maman qui vient me voir et elle me dit hey, t'as pas du grip transparent, s'il te plaît? Alors, c'est quoi ce setup? C'est une board flip, mais je veux prendre plus large parce que je la trouve pas assez large, mais déjà elle est bien au niveau de la taille. Ensuite, des trucks indépendants, je sais pas quelle taille c'est le modèle non plus parce qu'on me les a donnés, du coup j'ai eu énormément de chance. Des roues, c'est des jartes, pas assez grosses, j'aime pas mon setup. Des roulements Reds, je crois, c'est les meilleurs, voilà, c'est tout ce qu'il y a de bien sur mon setup. Nous de ta super première planche. Le grip il est simple, hein, c'est pas quand même. Pour l'instant, mais fais gaffe, c'est peut-être contagieux. L'autre côté il est simple aussi, en fait. Alors c'est une mini logo, la base pour commencer, et t'as des trucks sushi. Et des roues sushi, je sais parce que c'est moi qui ai monté, c'est moi qui ai vendu, et c'est un très bon kit de débutant. Qu'est-ce qui pour vous paraît impossible? Qu'est-ce qui vous paraît trop dur à réaliser et que pour vous y arriverez jamais de votre vie? Le drop, c'est, ma chute m'a traumatisée. Pourtant, je suis vraiment à l'aise en rampe et ça pourrait m'aider à faire plein de choses, mais non. Pour toi, c'est quoi le truc le plus dur? Qu'est-ce qui te paraît inaccessible? Non, mais en restant sur des classiques, sur des trucs accessibles. Bah, en vrai, je sais pas, parce qu'il y a des trucs que j'ai jamais essayé, quoi. Mais sinon, en vrai, il n'y a pas de trucs vraiment qui paraissent impossibles, quoi.
peux me parler de la première réaction de tes parents quand tu leur as dit que tu voulais faire du skate? Ils n'étaient pas du tout étonnés parce que par rapport au surf, juste mon père qui était en mode « ouais, non, c'est pas transport » et après j'en ai mis plein la gueule et du coup maintenant ça va mieux. Et toi, du coup, qu'est-ce qu'ils ont dit, tes parents? En fait, c'est un peu eux qui m'ont proposé de faire les cours, donc ils ont rien dit, quoi. Non, mais... Moi, je voulais pas venir, en plus, je connaissais le prof, je voulais pas y aller. Non, mais c'est carrément eux qui t'ont dit d'aller faire du skate. Bah, c'est eux qui m'ont dit qu'il y avait les cours, et comme ils savaient que j'aimais, j'aimais bien et tout ça, bah, ils m'ont proposé, quoi. Vous avez un truc à dire pour les filles qui vous regardent et qui osent pas venir? Foncez, foncez parce que plus, comme j'ai dit, plus vous commencez tôt, mieux c'est. Parce que sinon après, ça crée des blocages quand t'es plus grand, parce que tu te rends plus compte de ce que tu fais, alors que quand t'es plus petit, c'est mieux. Et sinon, non, parce que ça s'est gavé bien et ça crée une sensation de liberté. Et voilà, je fais une grosse propagande, tout ce que je dis est totalement faux. J'espère que tu couperas ça au montage. Non. Merci. Non mais venez. Ok. Un petit mot à dire pour toutes les filles qui n'osent pas venir ou qui n'osent pas se mettre au skate ou qui n'osent pas aller sur les skateparks? En vrai, faut pas hésiter tout ça. Enfin, faut pas avoir peur. Au pire, si tu demandes à des gens de l'aide et tout ça, si on n'arrive pas à faire des choses et tout ça, faut vraiment pas avoir peur. Et si des gens se moquent de toi, casse-leur la gueule. Déjà, oui, c'est surtout le regard des gens, c'est ça dont j'avais peur au début. Quand t'arrives dans un skatepark, il y a plus fort que toi, donc forcément, t'es nul. Et du coup, non. Genre, ceux qui se moquent de toi, c'est des gros bouffons, le karma, il va leur tomber dessus.